Bonjour tout le monde, bienvenue sur la page du Point donc, pour ce nouveau Facebook Live. Alors la semaine dernière nous avions débattu sur le troisième débat de la primaire à gauche. Cette fois-ci il n'y avait plus que deux hommes, Benoît Hamon, Manuel Valls, et donc nous allons débriefer avec Emmanuel Beretta cet ultime débat finalement de la primaire et cet ultime débat des primaires tout court, parce que là c'est fini, ça y est, on en finit tout doucement avec les primaires. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thomas et bonjour aux internautes. Voilà, bonjour. Tu es donc rédacteur en chef du service politique au Point. Oui. Et tu es là donc aujourd'hui pour à la fois répondre à mes questions, parce que voilà, on va essayer de débriefer tout doucement ce débat, et aussi pour répondre aux questions des internautes. Donc je vous invite à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Comme ça, nous pourrons tous échanger tous ensemble sereinement de ce débat qui a été aussi plutôt serein d'ailleurs hier soir. Serein, voilà. Constructif. Exactement, constructif. Donc je vous invite donc à partager encore une fois cette vidéo et à poser toutes vos questions. J'ai ce téléphone qui me servira de relais en fait, hein, je suis votre relais. Donc voilà, vous êtes déjà assez nombreux, donc c'est chouette. Alors moi j'ai une question à poser aux internautes qui ont regardé ce débat. Est-ce qu'ils ont le sentiment, à l'issue de ces quelques 2h30, ou peut-être voilà, un peu plus, ouais, est-ce qu'ils ont le sentiment qu'il y a deux gauches irréconciliables et que Benoît Hamon et Manuel Valls ne peuvent absolument pas travailler ensemble? Est-ce que vraiment vous avez ce sentiment? Laurent Martin pose la question, deux idées de la gauche irréconciliables, point d'interrogation. Bien coup, on sûr. Se pose la question, hein, alors, mais vous avez le droit de livrer votre analyse. Oui, pour l'instant, aucun des deux ne me satisfait, dit Roselyne. Bon, voilà, bon, c'est sûr que sur la trajectoire des finances publiques, entre Manuel Valls, qui essaie de respecter quand même un niveau d'endettement raisonnable, et Benoît Hamon, qui considère que finalement la dette, c'est pas très grave, mm-hmm, et qu'un jour, peut-être, on devra la raboter collectivement, mm-hmm, de ce point de vue-là, le projet n'est pas possible. C'est-à-dire, s'ils doivent bâtir un budget ensemble, c'est impossible. Sur la laïcité, ils ont de vraies différences entre la laïcité combative, mm-hmm, de Manuel Valls, inquiet de la montée des communautarismes, et Benoît Hamon plus serein sur cette question et qui s'en tient à une conception plus traditionnelle de la laïcité comme liberté des consciences, là aussi, c'est irréconciliable. Pour le reste, franchement, ils peuvent travailler ensemble. Ah oui. Bon, alors, ils ne sont pas d'accord sur Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Oui, enfin, franchement, est-ce qu'on va faire une présidentielle sur un aéroport? C'est ça. Ça fait partie presque, je dirais, des conflits traditionnels qu'on peut retrouver dans chaque gouvernement, entre différents ministères, et qui généralement finissent par un arbitrage à Matignon. Mais ça ne va pas plus loin que ça. En revanche, je vous dis deux sujets majeurs, les finances publiques et la laïcité. Oui, c'est vraiment les deux points de divergence. Deux points de divergence. Ouais. Justement, parlons du débat en lui-même. Hamon est sorti, selon les internautes du Point d'ailleurs, plutôt vainqueur du débat. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du débat? Parce que des gens nous disaient que le débat était correct, animé, et voir que Hamon avait une stature présidentielle, finalement. Alors, on ne part pas de rien. On part d'un premier tour qui a mis Benoît Hamon en tête et qui a eu, en plus, les reports d'Arnaud Montebourg. Donc, il part favori. Et hier, sa posture était celle du favori. Mmh. Donc, effectivement, c'est avec une relative grande tranquillité qu'il a déroulé son débat sur ses propositions, une fois de plus. Mmh. Le débat s'est fait sur ses propositions. Emmanuel Valls était un challenger. Un challenger qui, en plus, est brimé par, d'abord, la lourdeur d'un quinquennat qui a été difficile pour la gauche, et qui, en plus, ne peut pas totalement compter sur les voix de la gauche raisonnable, puisqu'elles sont parties déjà chez Emmanuel Macron. Donc il va dans ce débat avec une main attachée dans le dos et un boulet au pied. Néanmoins, je trouve qu'hier, il a été bon, et pour une fois, il a montré un visage assez serein, mesuré, courtois, ce qui n'était pas évident. Parce qu'en début de semaine, il était un peu plus agressif quand même, il s'est un peu adouci. Oui, il fait beaucoup ça, hein. Il s'adoucit, il revient un peu plus virulent, voilà, il s'adoucit à nouveau, etc. Il était pas mal. Donc, pas mal, mais avec le boulet plus un public en partie. Oui, on verra là-dessus, ça a d'ailleurs donné lieu à une passe d'armes à la fin, on verra ça tout à l'heure. Mais revenons peut-être sur le revenu universel, vu que c'est quand même la proposition phare de Benoît Hamon et celle qui a le plus cristallisé les derniers débats, en fait. Même au premier tour, c'est celle qui était la plus avancée, etc. Alors, que disent les internautes? Margot nous dit que Hamon va ruiner le budget de l'État. Bon, c'est... Qu'il va, pardon? Ruiner le budget de l'État. Oui, oui. C'est vrai que ça va coûter très cher. Ah ben... Et d'ailleurs, hier, est-ce qu'il a eu un... Est-ce que tu peux nous dire s'il a eu plus d'avancées? Enfin, est-ce qu'il a parlé plus de la budgétisation de cette proposition?
Non, je crois qu'il a... Parce que c'est souvent la critique qu'on lui fait, mais comment il va financer ça? En fait, il a répondu à ça. C'est deux approches de l'avenir du monde du travail qui se sont affrontées, puisque Hamon s'appuie sur quelques études qui disent qu'en gros, le travail va se raréfier du fait de l'intelligence artificielle qui va transformer notre mode de travail. Et Emmanuel Valls, lui, considère que c'est une abdication et qu'il y aura toujours du travail, parce que toute innovation, certes, détruit des emplois, mais en génère d'autres. Donc voilà, deux conceptions de l'avenir très tranchées. Pour l'instant... honnêtement, personne ne sait ce qui va se passer. On peut lancer une pièce en l'air et voir de quel côté elle va retomber. Personne ne peut prédire l'avenir. Et tous les experts sur tous les tons qui nous ont tout prédit se sont toujours trompés. Donc, je ne sais pas. Ça dépend en fait de la conviction de chacun. Mais au-delà même, je dirais, de la vision de l'avenir, Benoît Hamon considère que, de manière générale, que réduire le temps de travail est un progrès social. Il est dans cette gauche-là. C'est philosophique. Oui, c'est philosophique. Il est dans cette gauche-là qui a toujours considéré que la réduction du temps de travail était un progrès social. Manuel Valls s'en écarte. Il dit non, le travail, c'est la dignité. Voilà. C'est le seul qui est vraiment à gauche, finalement, alors, Benoît Hamon, ou sur le travail. Benoît Hamon parle au cœur de la gauche. Manuel Valls parle à sa tête. Très bien. Après un quinquennat difficile pour la gauche, qui a généré beaucoup de déceptions, Benoît Hamon a le discours qui vient remettre de l'espoir, redonner du rêve. Et la gauche a toujours eu besoin d'un peu d'utopie pour avancer. Il lui donne la dose qu'il faut, pas trop, mais juste assez pour qu'elle se remette à y croire. Et d'ailleurs, à ce propos... Et c'est en cela que son discours est très bien taillé pour une primaire de la gauche. On va regarder la coupe que nous a fait Pauline Tissot, une journaliste vidéo sur le revenu universel, pour que vous sachiez à peu près ce qui s'est dit hier soir. Là, on a déjà analysé, mais donc regardez ce qui a été dit hier soir sur ce sujet. Le candidat de la feuille de paie, et je ne veux pas et je ne voudrais pas que mon ami Benoît Hamon se retrouve être le candidat de la feuille d'impôt. Les rêves que vous avez financés sont ceux de ceux qui avaient déjà beaucoup, de ceux qui étaient déjà bien portants. Eh bien moi, j'assume de dire aujourd'hui que l'option politique que je propose est une option qui ne vend pas du rêve, elle ne vend rien du tout, elle propose de la justice. Et la justice, à mes yeux, c'est de faire pour ceux qui travaillent, ceux qui aspirent à travailler, et de rémunérer correctement le travail. Il y a une différence entre le rêve et l'illusion, et la crédibilité d'un projet. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Voilà donc ce qui s'est dit hier soir sur le revenu universel. Je vous invite d'ailleurs à voir le dossier que nous avons réalisé sur lepoint.fr, qui a été réalisé par Marc Vigneault notamment. Voilà, Baptiste Parineau aussi. La question que tout le monde se pose, finalement, est-ce que c'est faisable? Alors, d'abord, vous avez remarqué que Benoît Hamon, ce qu'il veut faire tout de suite, c'est un RSA étendu aux jeunes. C'est 45 milliards. 45 milliards par an? Mais quand il dit qu'il va prendre l'argent du CICE et du pacte de responsabilité, c'est 40 milliards sur le quinquennat. Donc là aussi, d'un point de vue financier, c'est très très cher. Même ça, qui n'est pas le revenu universel global, l'objectif à atteindre à la fin. Même ça, c'est très cher. Donc je ne sais pas comment il va faire, puisqu'il n'indique jamais là où il va faire les économies. Ouais, par exemple, si on considère qu'on donne l'aide de manière automatique, et qu'on fond l'ensemble des aides en une seule, le revenu, le RSA jeune, allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait des fonctionnaires qui gèrent l'argent jusqu'ici des prestations sociales? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les met à la retraite petit à petit? Ils n'en parlent jamais. C'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Dès lors qu'on considère qu'une mesure est automatique, on n'a plus besoin de la gérer, de la contrôler, etc. Mais il n'en parle pas. Il ne rentre pas dans ce détail. Il n'a pas besoin d'ailleurs. Mais il n'a pas besoin d'en parler de ces détails. Ce n'est pas ça qu'on attend de lui. Qu'il nous fasse rêver. Et ça, il y arrive. Très bien. On a quelques réactions justement sur le revenu universel. Par exemple de Yaron qui nous dit « Comment est-ce qu'on peut continuer à faire croire que le revenu universel est faisable après nous avoir fait croire que l'ennemi des Français était la finance ?» Là, c'est plus un problème du PS, oui, du coup. Hein. Oui, c'est vrai là, que c'est la ligne du PS qui est un peu dur à voir. Alors, d'autres autre question de Solène. Le revenu universel, pour elle, est une vaste fumisterie, un fiasco, tout comme la mondialisation, un nivellement par le bas. Voilà, la vie est tranchée comme ceci. Pour le revenu universel, c'est à peu près tout. D'accord. Voilà, on va peut-être passer à un autre sujet qui a animé le débat hier soir, celui de la laïcité. Qui lui a été la laïcité qui a quand même été plus un
comment dire, j'allais dire un glaive, mais non, c'est pas un glaive, il le présente pas comme ça, de Manuel Valls, une attaque de Manuel Valls contre oui, il essaye. Le programme de Benoît Hamon et surtout ses propos sur la polémique du café de Sevran. Voilà, on va peut-être pas rappeler oui. toute l'histoire, mais voilà, il a été en tout cas l'un des axes d'attaque principaux de Manuel Valls. Je vous propose du coup de voir ce qui a été dit hier soir directement, comme ça vous pourrez vous faire un avis, nous donner votre avis et nous analyserons tout ça juste après. Là où le voile est imposé à une femme, imposé comme tel, nous devons tout mobiliser pour que cette femme n'ait pas à être soustraite au regard des hommes à raison de l'imposition d'un dogme. Et chaque fois qu'un dogme s'est imposé ses convictions aux autres, moi je le combats. Mais peut-on là savoir, où une femme librement décide de porter le foulard islamique, librement, et il en existe, peu importe ce que nous pensons, au nom de la loi 1905, elle est libre de le faire. La droite et l'extrême droite sont en train d'utiliser la laïcité de telle manière que oui, elle est utilisée comme un glaive contre nos compatriotes musulmans qui n'ont rien à voir avec l'islam radical. Moi, ma laïcité, c'est celle de Caroline Fourest, c'est celle d'Elisabeth Badinter, c'est celle de ces femmes qui se sont battues dans ton département pour la crèche Babylou. C'est ça, parce qu'il n'y a pas seulement le problème de la laïcité, il y a le problème de l'émancipation de la femme. Et notre rôle, c'est de jamais le stigmatiser, mais c'est de dire à ces femmes, à ces jeunes filles qui vivent cet ordre machiste, cette régression, de leur dire « mais nous sommes là pour vous aider ». Là où le voile. Voilà donc ce qui s'est dit hier soir. Donc sur la laïcité, Emmanuel, est-ce que tu penses que le fait que Manuel Valls ait axé sa stratégie là-dessus, est-ce que vis-à-vis de l'électorat de gauche, est-ce que c'est vraiment porteur? Est-ce que tu penses qu'il peut inverser la tendance qui est un peu contre lui quand même aujourd'hui? La laïcité, ces derniers temps, en tout cas, est devenue plutôt un débat de la droite. Mmh. Hein, puisque derrière, c'est l'islam, la xénophobie, c'est tout ça qu'il y a derrière. Hein. Donc jusqu'où on va? Et donc, est-ce que c'est une arme très utile dans un débat de gauche? J'en doute. Néanmoins, il a été efficace. Et surtout, Benoît a réussi à échapper à quelques questions pièges qui auraient pu l'enfermer. Il a été dit, et il l'a reconnu, que certes, il n'était pas député en 2010 au moment de la loi sur interdisant la burqa, mais il était contre cette loi, alors que Manuel Valls a été, je crois, le seul député PS de l'époque à avoir voté pour. Et la question n'a pas pu être posée hier. Aujourd'hui, a-t-il changé d'opinion? C'est dommage parce que, rappelez-vous, c'est à Trappes, dans sa circonscription, qu'ont éclaté 3 jours d'émeute à la suite d'un contrôle, une verbalisation contre le port d'une burqa au début du quinquennat. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'exprimer parce que il aurait été amené à prendre une position très claire vis-à-vis du salafisme. Et malheureusement, il y a échappé. Voilà un piège qu'il a esquivé avec bonheur, je crois. Mmh. Ce que Manuel Valls a attaqué au cours de la semaine, c'est aussi son entourage. Certes, Benoît Hamon n'est pas forcément le plus engagé dans la lutte contre, disons, contre tout ce qui est brimade, contre le voile, etc. Mais quand même, il a des soutiens qui, eux, se sont engagés très fortement de ce côté-là. Et là aussi, il a pu échapper aux attaques les plus directes hier soir. Et je vous invite à lire le papier d'Emmanuel ce matin qui parle de la stratégie de l'esquive de Benoît Hamon. Oui, il a bien joué. Il n'a pas été mis à défaut. Non, absolument. Ouais. Et, Damien nous dit que la laïcité est une belle utopie qui n'existe plus. Bon, bah, c'est son avis, Damien. Et c'est vrai qu'elle est quand même remise à mal dans certaines parties du territoire. Et Michael qui nous dit la laïcité dans l'acceptation, la conception de Valls, je pense qu'il voulait écrire, ne devient-elle pas une religion qui combat les autres religions et plus particulièrement les musulmans? Alors là, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. C'est vrai que la laïcité, le débat sur la laïcité aujourd'hui est quand même un débat très droitier. Jusqu'où on va. Par exemple, c'est rare d'avoir vu un candidat de gauche de mener à ce front-là, à ce point-là, pour avoir une présidentielle, je pense. Jusqu'où va-t-on dans la régulation des comportements religieux sur l'espace public? On a une loi qui interdit la burqa. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne la remet en cause, à gauche, alors qu'à l'époque, ils étaient contre. Ouais. Ensuite, la droite a amené le débat sur l'interdiction du voile à l'université.
Une partie de la droite est pour, celle qui était avec Sarkozy. L'autre, avec Juppé et Fillon, considère que non, on ne va pas embêter les étudiantes avec ça. Elles sont adultes, leur esprit critique est formé, faisons leur confiance. Et en plus, ça pourrait être contre-productif, puisque si on interdit le voile à l'université, certaines jeunes femmes pourraient ne plus y venir. Bon, un argument qui est peut-être un peu outrancier, mais voilà. Et à gauche, Manuel Valls, c'est vrai, de ce point de vue-là, est assez isolé sur une position très offensive sur la laïcité. Bon, il va très loin, mais je doute que ça parle vraiment au cœur de l'électorat de la gauche, réduite à sa plus simple expression, comme on l'a vu au premier tour. 1 million, 1,5 million. J'ai peur qu'il soit plus populaire à droite avec ce genre de discours qu'à gauche. Oui. Voilà. C'est difficile. Et du coup, est-ce que tu penses, après ce deuxième débat, bon, on n'a pas de boule de cristal, ça se saurait, mais est-ce que tu penses qu'il peut retourner à la situation Manuel Valls le deuxième tour? Je pense que non. Il a été bon. Pour autant, la situation dans laquelle il se trouve est trop compliquée pour pouvoir retourner la table. Il aurait besoin d'un sursaut des réformateurs, des sympathisants réformateurs. Je crois que Macron a un boulevard et arrive à les séduire par de l'optimisme. Macron a été très habile dans le fait d'avoir à la fois participé à tous les étages de ce quinquennat et même à la campagne de Hollande en 2011 et finalement de s'être... l'effet de ce bilan en même temps. Donc, ça rejoint une autre question. Si Hamon gagne dimanche, comment ces deux gauches-là peuvent-elles se réconcilier d'une certaine manière? Est-ce que j'entendais Cohn-Bendit ce matin sur Europe 1 qui disait arrêtez l'hypocrisie et surtout que le perdant rentre chez lui et ne dise plus rien parce que sinon ça va être justement ça signifie que c'était complètement irréel.